Charge de la dynamite. Je vous le dis. Parce qu'il faut que je fasse péter ce truc. Y'a pas de dynamite dans ce bled? Ok, là il me faut le pass du président. Je cherche un couteau, un truc. Je prends les sous, mais j'en aurais plus besoin. Ça, c'est bien. Peut-être que je pourrais le tuer le président avec. Je vais essayer, mais bon. J'y crois moyen. Quoi qu'il arrive, il me faudra une dynamite. On va essayer de tuer le président en scred. Et où la secrétaire? Elle est morte? J'ai oublié de mettre esquive, je suis con. Bon, allez. Mais oh! Mais wesh! Mais je pue la merde, j'ai pas de bol. J'ai juste pas de bol. Je m'en fous, je me drogue. Je me drogue pour le tuer.
Ah dommage, ça y était presque. Il avait 12 HP. Je pense que je peux le faire avec un peu plus de chance. Frère, n'abusez pas. Je veux bien être à chier, mais il y a des limites. Il a combien de vie? Avec de la luck, je peux tout faire. Mais d'où? Attends, mais tu peux pas. Ah! Attendez. Il y a un glitch. Il y a un putain de glitch. Si tu lui piques et que ça fonctionne pas, il va te faire chier et. Et les autres, ils seront pas au courant. Attends. Voilà. Là, il te casse les couilles, mais. Les autres sont pas au courant. Bah si! Bah c'est du bullshit! Oh putain la chance. Oh putain la chance. Oh la chance. Oh let's go. Oh la luck. Oh putain la fin du jeu.
Faut que j'aille au réacteur. J'ai pas un plastique sur moi? Putain, il me faut une dynamite. Me dites pas que personne a de dynamite dans ce bled quand même. Putain, si. Personne a de dynamite. Personne n'a de dynamite. Eh ben, on va faire à l'ancienne. J'ai une grenade sur mon poids. Ouais. Eh ben, allez, hein. Ah ben, je peux pas. J'ai pas de dynamite, je fais comment? J'ai réussi à tuer le président en 2-2 par contre, ça c'est fou. Ah là peut-être, attendez. Il y a des conteneurs. Putain, une dynamite. Bon bah je vais remonter. Il devait y avoir une dynamite à l'étage. Du monde, hein. On est en train de finir le jeu. On dirait pas, hein. Mais on est en train de finir le jeu. Putain, y a pas de dynamite dans ce bled. Y a un geck. Je le prends. Ça, j'avoue. Je me fais plaisir. Bon bah ici y a rien. On va aller en face. Chier ça. Oh, si on trouve pas de dynamite, on pourra pas finir le jeu. Les zéro ban. Putain, j'espère que quelqu'un en a. Quelque part. Ah. C'est la fin du jeu. Je m'en bats les culs. C'est la fin du jeu. Oh, allez hop.
C'est la fin du jeu. Je suis venu pour en découdre. Dans le doute. Putain, une dynamite, je vous en supplie, quoi. Ça s'ouvre ça? Fusigos, mais je m'en balèque! Je veux une dynamite! Ah. Est-ce qu'il y a du plastique ici? Là. Tout le monde est mort sauf mes potes, super. Allez, du plastique. Ça c'est des grenades, mais on va les prendre quand même. Du plastique, je vous en supplie. Du plastique. Du plastique. Du plastique. Du plastique. Là-dedans. S'il vous plaît. Mais je m'en fous, je veux du plastique. Je veux un pain de plastique. Roger Mambalek. Je veux les cantines là, les cantines, dans les cantines. Okay. Allez, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 je suis pas bleu. Je suis pas venu jusqu'ici pour perdre, pour cheat. Non, non, je suis pas venu jusqu'ici pour cheat. Même si je vais sûrement devoir. Eh ben voilà. Eh ben voilà, voilà, voilà. J'ai pas d'explosif. J'ai pas d'explosif. J'ai envie de pleurer. Je vais fouiller là. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais on va fouiller. Ah, peut-être qu'ici il y en a. Je vois des. Je vois des trucs qui s'ouvrent. Allez, on va fouiller. On va fouiller, on fouille. On fouille, on fouille. C'est quoi? C'est un super marteau? Ah ouais. Non, peut-être dans les chambres. Je regarde ce qu'il y a d'autre, mais je ne vois rien.
plastique, je vous en supplie. Je vous en prie, quoi. Putain, je le trouve, je suis refait. Hein. Ça aussi, c'est bien. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. J'en reviens pas de devoir tout fouiller. Oh, un flingue. Il n'y en a pas. Là. Là, il y a des casiers qu'on n'a pas fouillés. Il m'en faut qu'un. Il me faut qu'un pain de plastique. Je demande pas la lune, hein. Je demande juste des explosifs. Dans une base militaire. Oh, merci, merci, merci le jeu. Je prends quand même l'armure du flot. La plus de flow, la T60. Ah non, mais elle est mieux, elle. La MK2. Ouais, je me barre. C'est bon, j'ai le plastique. Oh, finir le jeu. Je quitte. Tu sais quoi, je quitte pas tant que j'ai pas fini. Parce que là... Y'a plus rien à faire. Y'a rien à faire. C'est fini, là. Là, y a... On descend, on va faire péter le truc. On se casse, c'est terminé. Donc, moi, je veux terminer le jeu, quoi. Je veux finir. Je veux finir. Si, y'a un boss de fin. Allez, j'abuse. Y a un boss de fin qu'on peut OS, mais... Oh, j'ai trouvé le pain de plastoc, quoi. Attends, il faut que je lui dise peut-être. Yo. Monstre. Tu es là pour me tuer, moi aussi. Être élu. Attention, si tu détruis la magie, tu dois détruire la magie. Le GEC. Le GEC. Allez, allez. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux finir ce jeu. Libérez-moi. Libérez-moi. Let me out! Libérez-moi! Oh, libérez-moi, je vous en supplie, quoi. C'est un petit clic, hein, c'est un jeu d'énigmes. On joue à mon Kaylan, finalement. C'est mon Kaylan. On a tué le président. Il est mort. Déjà, on a eu du cul. Ça, c'était un bug. Hein. Ça, c'était un bug. Je suis désolé. Comment j'ai tué le président? C'était un bug. J'ai fait bugger le jeu. Là, n'est pas la question. Mais, voilà. J'ai tué le président. Là, je vais faire exploser... le mur magique, le mur, et on va finir le jeu, parce que là j'avais plein le cul. Voilà, c'est ici qu'on fait tout péter, sauvegarde. 108ème sauvegarde. Utiliser, on le met à 1 minute. Et là on se casse, voilà, je me tire, salut. Voilà, 10 minutes avant l'explosion. Donc là, il faut qu'on se casse. À tout. Oui, si tu veux, oui. Qu'est-ce que tu veux que je prenne? Je suis bégué. Passe-partout. Ah, tiens. Augmente passe-partout. Ah, 80 pour la fin. Voilà, ça aussi. Ça aussi. Voilà, comme ça, au moins, on aura fini le jeu à peu propre. Allez, on se casse d'ici. On a fini le jeu. En gros, j'ai fait exploser les réacteurs nucléaires de la base.
Et du coup, bah, ça va exploser. Péter d'air. Et là, on va monter, se tirer. Voilà. Hein? Quoi? Oui. Ah, mais il y a un autre escalier, il y a un autre escalier. J'allais dire, oula, oula. Je peux pas sortir par là. je vais péter un câble. Il y a un autre escalier. Je suis discret. Hein. Ah oui, on est tout en haut. Je suis en infiltration. Je suis infiltré. Je m'infiltre. Ceci est une infiltration. Allez hop. C'est bon, je vais là. Salut les gars. Et là, oh merde, un boss de fin. Bonjour. Ça va? Mais on peut lui parler. On l'a jamais vu, on l'a vu une fois de loin. On peut lui parler. Bonjour, vous êtes qui? Salut, ça va? Tu as été beaucoup trop loin. Mais on voit bien que tu n'as encore jamais eu affaire à Frank Horrigan. C'est lui. Ta balade s'arrête ici. Frank Horrigan, le boss de fin. Hein? Franky? Moi, Frank Horrigan, pas Franky. Service secret des États-Unis. Tu n'iras nulle part. T'en discutons. Part. Le temps n'est plus au discours. Ainsi soit-il. Tel est le nom du... du film. Aïe, 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 il me casse la gueule. Il m'a... Ah. Bon, ok, pardon. Tu as péri, oui, papa, merci, Captain Obvious. Ne vous inquiétez pas, il y a une solution à ça. Bonjour. Hop. Il est où? Il est là, hop. Hein? Bientôt faire très chaud ici. Dommage que tu n'aies plus longtemps à vivre pour voir ça. Tu n'as rien d'héroïque. Tu n'es qu'un mort vivant. Il me casse la gueule. Hein. Il m'a pas tué, mais... Ah non, mais il faut pas que je le touche. Donc il faut que... Ok, il faut que j'utilise dans mon inventaire. J'avais pas capté. Mais... Tu as été beaucoup trop loin. Mais on voit bien que tu n'as encore jamais eu affaire à Frank. Moi, à Frank Horrigan. Attends, je comprends pas comment je gagne là. Je suis con ou... Ah merci, j'avais pas compris ce qu'il y avait à faire. Bon, oui d'accord. M'en fous.
Mais... je me fais eu là ou quoi? Comment je gagne? C'est putain de jeu. Mais... je me barre. Tu as été beaucoup trop loin. Faire fusionner. Il a mis le PV. Hein. Je comprends pas. On a l'air de se miser dans ce fait, mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Non, je peux pas le tuer, j'ai pas, je suis une chips. Il me one shot. Je peux pas le tuer, mais je veux le tuer, mais je ne peux pas le tuer. Et apparemment avec ça on peut le tuer. Et ça ne veut pas. Je spam, hein. Non, non. Mais putain, je comprends pas ou quoi. Ah ok. Je crois que j'ai une strat. On va utiliser la strat des gros cons. Oh non putain. Ah non ils sont là. J'allais dire oh non j'ai pas utilisé tous mes mantas avant quand même. Voilà j'ai 10 en tout. Ouais c'est bon.
Contre-insurrection. Voilà, l'étoile tue Franck normalement. Si tout va bien. Il a pété l'étoile quand même. Il va me péter étoile le con. J'y vais à Yep moi. Allez hop. J'y vais à pied. Bon, qui se bat contre l'étoile. Mais il se fait défoncer. Combien il a de vie? Il a encore 600 de vie. Hein. Cours, 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 cours. On se casse. Cours. Oh, il y a d'autres mecs qui arrivent. M'en fous. M'en fous. Oh putain. Oh non. C'est bon. Mais ouvre. Ouvre. Oh putain. Ah mais les toiles elles vont vraiment le défoncer. Passe partout. Je peux utiliser. Science. Il ouvre la porte. Mais il me troll. Le jeu me troll. Tu es Franck. Mes tourelles! Mais j'ai pas de bol! J'ai juste pas de chance, attends. J'ai juste pas de luck. Attends. Je vais me bourrer la gueule de Mentas. Oh, je me zigouille à la drogue. Voilà. Donc j'ai mes potes avec moi. Ça y est. Comme ça au moins ils m'aident. Voilà. Hourigan, t'inquiète. J'ai ce qu'il faut pour te battre. Mes potes. Bon, voilà, mes potes, mon couteau. Ah, attendez, attendez les gars, attendez, attendez. Paniquez pas, paniquez pas. Oh, okay, attendez. Attendez les gars, attendez. Voilà, c'est bon, bah, on se bat les gars. À mort Franck. Va mourir. Va mourir Franck, va mourir. J'ai tous mes potes. Tu pourras pas nous tuer. On est trop. On est trop. On va te tuer. On va te tuer Franck. On est venu pour te tuer. Aucun dégât. Oh golerie. Tuez-lui dessus. Tuez-le mes amis. Voilà! Allez-y! 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 Battez-vous! Battez-vous jusqu'à ce qu'il meure! Oui! Tuez-le! Tuez-le! Voilà! La machine gueule à tout! Tuez-le! Tuez-le! Tuez-moi cet enfoiré! Non, on le défonce! Ah non, non, il tue mes potes! Il tue mes potes! Ah non, non, non! Patrouille! Non! Non! Allez, allez-y! Attendez.
Oh, il est déjà à 700. Les yeux! Dans les yeux! Dans les yeux! Voilà, dans les yeux! Visez les yeux! Pouh! Il tire dessus! Il s'en balèque! Il est en balèque! Il n'a rien à faire! C'est le moment que je préfère! Ah oui! Putain, on a rassemblé! On a rassemblé tout ce qu'on avait pour le battre! 207! 207! 207! Il va mourir! On va le tuer! Aïe, non, non, pas mes potes! Non, il va tuer mes potes! Combien il reste de vie? 200 de vie! Oh putain! Oh putain! La tête! Je lui ai mis 2 de dégâts! Allez-y, les gars! Voilà, voilà, tiens-lui dessus! Voilà, on le tue! Allez-y, les tourelles! Oh, il meurt! Il est mort! C'est vraiment mauvais. Mais non, je l'ai tué! Il est mort! Oh, il est coupé en deux! What? Il est pas mort, là? Non, vous foutez de ma gueule. Il est pas mort, là? Si, si, c'est bon, il est mort. La P2. Dark Souls. Toi et tes enfoirés de mutants allez me rejoindre dans un gros nuage en forme de champignon. Je viens de déclencher l'autodestruction. Le plan continue. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est signer ton arrêt de mort. Devoir. Honneur. Courage. Pour toujours. Putain, il est mort. On se casse! On se casse! Vite! On se casse, les gars! On a fini le jeu! Putain de merde! Oh, on a fini ce maudit jeu! Oh la vache! C'est fini! C'est la fin! C'est customisé, hein! Donc ça, c'est la fameuse tour de l'enclave qui va exploser. En 1000 morceaux. Et après on va avoir la fin du jeu. Wouhou! On a niqué l'enclave! Et voilà, on a battu l'enclave. Putain. Après la destruction de l'enclave, les réfugiés d'Aromio et de l'Abri 13 se réinstallèrent et bâtirent une nouvelle communauté à l'aide du Jardin d'Éden en kit. Loin de leur abri, les membres de l'Abri 13 choisirent de s'unir aux villageois pour fonder une nouvelle communauté. Leur expertise technique, alliée aux compétences en matière de survie des villageois, permit à cette nouvelle communauté de croître et de prospérer. Nice. Deux générations de la même descendance furent réunies et leur sauveur, l'être élu, accéda au rang de doyen, administrant le village pendant les années à venir. Le commerce d'esclaves de Metzger dans la fosse prit de l'ampleur, lui apportant influence et pouvoir dans presque toute la région. Des enclos d'esclaves firent leur apparition, et plus personne ne fut à l'abri de la menace esclavagiste. Les voyageurs évitaient la fosse, effrayés par les bruits des horreurs perpétrées à l'intérieur de ses murs. Durant les années qui suivirent, la cité de l'abri subit de plein fouet des attaques de pillards. Désespérés, les citoyens furent forcés de demander de l'aide à la RNC. En l'espace d'un mois, un détachement militaire important de la RNC fut posté dans la cité. La présence militaire se changea vite en une force d'occupation et la cité de l'abri devint le premier territoire annexé de la République de Nouvelle-Californie. Ok.
Tandis que l'influence du Jet s'étendait dans toute la Californie du Nord, la famille Mordino devint puissante. En un an, elle avait pris le contrôle de New Reno et agrandissait son empire, absorbant la fosse et les régions environnantes. La conquête se fit sans trop de violence. Le Jet affaiblit en effet toute résistance au règne des Mordino. Alors que l'amélioration du réacteur de la centrale de Gecko gratifiait la ville d'un surplus d'énergie, la cité de l'abri, elle, était incapable de s'étendre, faute de ressources énergétiques suffisantes. Cédant à des pressions internes, son conseil fut alors contraint de prendre le pouvoir à Gecko afin de contrôler le réacteur. Les ghouls pacifiques de Gecko devinrent esclaves et passèrent le reste de leur existence au service de la cité de l'abri. La ville de Reading, grande productrice d'or, se trouva bientôt dans la situation peu enviable d'un morceau de viande déchiqueté par trois vautours jaloux. Plutôt qu'on ne l'aurait pensé, rien ne resta du morceau de viande qui était autrefois Reading, car la cité de l'abri, New Reno et la Nouvelle République de Californie avaient ravagé cette terre autrefois prolifique. Il ne reste plus rien aujourd'hui que le squelette desséché de la ville de Reading. Avec la destruction du complot visant à éliminer les mutants, les collines brisées commencèrent à prospérer. Puis, l'uranium s'épuisa. Ayant perdu sa seule raison d'exister, la ville se désagrégea lentement. Les résidents emportèrent avec eux leurs richesses, laissant derrière eux une ville fantôme abandonnée et balayée par les vents. Quelques-uns persistèrent, luttant pour se sortir d'une existence pitoyable, mais ils finirent par disparaître, eux aussi. L'échec de la diplomatie à l'abri 15 ralentit l'expansion de la Nouvelle République de Californie vers le nord. Gênée par cet échec, la présidente Tandy fut remplacée par Roger Westin. Lorsque le nouveau gouvernement rentra enfin à l'abri 15, ils ne trouvèrent qu'une ville fantôme. Les squatteurs de l'abri 15 continuèrent à mener une existence dérisoire et non productive. Sans que personne ne s'en aperçoive, le désert reprit finalement ses droits sur le squat. En éliminant les griffes morts de l'abri 13, tu as envoyé une autre espèce dans les affres de l'extinction, prouvant encore une fois que le génocide est une solution viable à tout problème. C'était pas moi. Les chis s'épanouirent, créant un fléau botanique sur la radiation entourant leur ville bien-aimée. Cette vigne n'aurait pas pu croître sur d'autres sols, mais les chis prirent bien soin de l'entretenir sur leur terre. Elle continua à se renforcer et à se développer, formant ainsi les bases d'un nouvel empire. Quant aux vagabonds tankers, eh bien, comme tous les vagabonds, ils continuèrent à errer. Ah non, le DMC! Est-ce faux? Je sais plus ce que c'est. C'est le mode que j'ai utilisé, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le mode que j'ai utilisé dans le jeu. Bon bah voilà, on a fini le jeu. Ah bon, je vais faire le 3. C'est bien. Alors je crois qu'on a eu une fin de... On a eu des grosses fins de merde. Parce qu'on a eu des personnes et on a été straightforward à l'objectif. Mais je vous avoue que le jeu il était tellement infâme en termes de difficulté que putain j'allais pas me faire chier à aller faire des quêtes. Hein. Même à la fin là, vous avez vu comment j'ai dû maroufler pour terminer ce jeu. Pour terminer ce jeu de fou. Ah c'est bon.
Apparemment, après la fin du jeu, ça continue. On va attendre. Je me fais claim, ouais. Je me fais claim sa mère le live. Je me fais turbo claim. Bon, on va skip. Veux-tu continuer à jouer? Oui. Bon, on va sauvegarder. On va skip parce qu'il faut que j'y aille. J'ai bien tiré pour finir le jeu. Hop. Écoutez, c'était Fallout 2. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut !